Pascal. Vous avez écouté Jean-Pierre Aubin avec Sonia Mabrouk? Absolument. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et ça fait 20 ans qu'il le dit. Oui. Et qu'il prêche dans le désert. C'est terrifiant. Donc, les profs ont peur. Les élèves, certains élèves ont gagné. Et l'islamisme a gagné. Donc, la France de demain, parce que ma conviction, c'est que c'est fichu. C'est fichu. La guerre est perdue. La guerre est perdue. Comme contre la drogue. Exactement. C'est fichu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chacun trouvera les solutions pour lui-même. C'est-à-dire que vous mettrez vos enfants dans le privé. Vous irez dans les hôpitaux privés. Pourquoi pas? Il y aura une sorte de France, mais c'est déjà le cas, une France à deux vitesses qui se mettra en place. Vous irez vivre dans un endroit qui sera sécurisé, où il n'y aura pas des points de deal, où vous ne serez pas attaqué parce que vous aurez les moyens. Et puis il y aura une autre France qui n'aura pas les moyens, qui vivra au milieu des points de deal, avec une école où les profs ont peur et sous d'autres influences. Vous dites que la République n'est pas égale pour tous en France, Pascal. Mais écoutez, ce que chacun constate matin, midi et soir, le communautarisme, qu'est-ce qui souvent marque le plus le communautarisme? C'est l'endroit où vous vivez. Il y a quelqu'un qui vit en Seine-Saint-Denis en 93 parmi les ministres qui nous gouvernent? Personne. Ils vivent où? Bien sûr que chacun choisit pour lui. Les ministres de la République, les enfants de ministres de la République, ils sont où? Ils sont dans le privé ou dans le public? À l'école alsacienne, pour certains d'entre eux. Et tout est comme ça. Et ils vont où? Ils vont dans quel hôtel? Mais ils sont d'ailleurs comme nous, hein. On est des ultra-privilégiés, attention. Ultra-privilégiés, quand vous avez un souci, vous savez appeler l'hôpital américain, vous savez appeler les gens qu'il faut, parce que vous avez de la chance de connaître des gens. Les autres, ils se débrouillent. Et parfois, ils vous appellent même vous pour avoir peut-être un rendez-vous, parce qu'ils savent que vous pouvez avoir des passe-droits. Parce que c'est ça la vérité de la France de demain. Déjà de la France d'aujourd'hui, pour tout dire. Ouais, la République Donc, a deux, terrible, en fait. Trois vitesses, ouais. On va en parler. C'est terrible. On va en parler.